Wow. Regardez le bœuf, comment il a l'air trop bon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis devant la gare Saint-Lazare, j'ai rendez-vous avec Robin, vous connaissez Robin, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, et elle me dit qu'elle est là, mais elle me trouve pas, donc à mon avis, elle est pas au bon endroit. Regarde, elle me dit tu me vois, je lui dis non, je lui dis je suis à côté de la bulle, ah tu es cours de Rome, j'étais passage du Havre, je suis désolé, quand on dit devant la gare, vous saurez si vous avez rendez-vous avec moi un jour, c'est ici. Et elle me dit que c'est passage du Havre la vraie entrée, je ne suis pas d'accord. Regardez ce genre de personne qui cherche toujours, ce genre de personne qui dit que la vraie entrée c'est passage du Havre. Alors que c'est cours de Rome. Non. Je suis désolé, regarde l'entrée de la... Ça, on voit que c'est la vraie entrée ici. L'autre côté, c'est l'entrée des artistes. Bah alors, je suis une artiste. Bah peut-être. Voilà. L'autre côté, c'est c'est l'entrée de service, je sais pas, tu vois. Là ici, regarde, il y a écrit en gros Saint-Lazare. Quand on dit devant la gare, c'est ici. Mais de l'autre côté, il y a exactement la même chose. Et on va voir. Allez, on y va. Ah, ouais. La vraie entrée, c'est ici. De l'autre côté, c'est pas... Regardez bien, là, vraie entrée. Et vous allez voir de l'autre côté. Mais non, regarde, mais ça... passage du Havre, regarde, gare Saint-Lazare. C'est là. Non, mais ça a moins de prestance, regarde, on voit. C'est pas mal comme une entrée, c'est pas mal, mais c'est moins bien que là-bas, je suis désolé. Bon, c'est vrai que ça. Peut-être que ça en jette un peu moins, mais. Oui. Attends, regarde. La prochaine fois qu'on se rendez-vous à Saint-Lazare, c'est là-bas. Ah, ok. Bon. Aujourd'hui, en plus, on va manger dans un resto en mode fast-food mexicain. Ok. Si j'y vais, c'est parce que. Ils sont ouverts toute la nuit. C'est rare sur Paris. Parce qu'on se dit, oui, New York, tu peux aller manger quand tu veux, où tu veux. Là, ils ouvrent et ils se sont dit, on va ouvrir toute la nuit. C'est un truc de ouf. Ouais, vraiment. Dans un premier temps, 2h du mat et ensuite toute la nuit. Mais même 2h, c'est pas mal. C'est quand tu sors du ciné tard, du théâtre tard. T'as jamais rien à manger. Non, il n'y a plus rien. T'es trop tard et tout. Allez, go. Parfait. Donc là, c'est la Robin. Fresh Burritos. En fait, c'est une enseigne que je connais. J'y suis déjà allé, mais j'ai jamais fait de vidéo. Et là, ils viennent d'ouvrir ici. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire brigade des fast-food. Non, c'est pas la brigade. C'est avec Robin. Là, on est tranquille. C'est des formations professionnelles. Ouais. Monsieur de Fresh Burritos. C'est ça. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Il y a un petit indice. Tu sais, parce que des fois, dans des restos, il y a des gens qui demandent à quelqu'un qui passe. Excusez-moi, je peux avoir une carafe d'eau s'il vous plaît? Et la personne te dit non, mais moi je travaille pas là, je vais aux toilettes. Ça arrive, j'ai souvent vu cette scène. Non, là il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Le logo est là, le polo est là. C'est vraiment lui. Bah, du coup, alors c'est la toute nouvelle boutique. J'ai demandé à Robin de me filmer aujourd'hui. Je me demande ce que ça va donner les images. Non, mais est-ce que je suis petite, hein? Donc. Il y a des balançoires. Ah, genre on peut manger en se balançant? Ouais, bien sûr, il y en a aussi à l'étage. Oh là 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 là, ça va être génial. Alors, du coup, le concept de Fresh Burritos, c'est des burritos frais. C'est ça, mais pas que. Ah. Il y a aussi des tacos, ouais. Salade, chili, donc le vrai chili à la mexicaine en assiette, avec du riz, des haricots rouges, tout plein de choses. Guacamole, le seul, le vrai, l'unique, on le retrouve ici, quoi. C'est génial. Et alors ici, ça vient d'ouvrir, c'est le nouveau Fresh Burritos. C'est ça. C'est à côté de Saint-Lazare, on l'a vu, hein. D'ailleurs, Robin, on va lui poser la question pour savoir ce qu'il en pense. Imagine, Marvin, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Ok. Un rendez-vous Tinder ou autre, ça ne nous regarde pas. Ok. Tu es marié? Marié. Ah, ok, bon, alors, pas un rendez-vous Tinder. Quand tu donnes rendez-vous à gare Saint-Lazare, ouais. Tu vas passage du Havre ou cours de Rome? Cours de Rome. Voilà. Robin, si un jour t'as rendez-vous avec Marvin, c'est comme moi, c'est au même endroit. Revenons à notre histoire. C'est ça. Donc ça va être ouvert à terme jusqu'à très très tard dans la nuit, genre 4h du matin. Pour l'instant, c'est 2h du matin, c'est ça? Ouais, bah logiquement, à partir du mois de février, on ouvre toute la nuit. Et du coup, on commande sur les bornes, c'est ça? C'est ça, juste génial. Là. Ça te dérange pas de dîner sur une balançoire? Non, du tout. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Ouais, elle prend son élan, mais comme si elle allait vraiment faire de la balançoire. Oh. Tu vas manger. Est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'après tout ce qu'on va manger, ça va tenir autant? En fait, je sais pas si c'est marrant, mais je sais pas si c'est si confortable. T'es bien, toi? Ouais, moi, ça va. Hein. On a donc pris les nachos chili avec du guacamole et de la sauce cheddar. On a pris un trio de tacos. Donc, ce sont bien sûr les tacos mexicains. Donc, on en a pris un au poulet, un aux crevettes et un au bœuf, je crois, hein, c'est ça? On a pris la salade parce que franchement, moi j'ai pris autant pour la tortilla que pour la salade en elle-même. Alors, vous étonnez pas hein, si ça bouge mes plans, c'est parce que je suis sur la balançoire, j'ai pas l'habitude, je suis pas encore en stabilité. En tout cas, la salade, trop bien. Et puis ça, bah, c'est les burritos, on les testera ensuite.
On commence par quoi, Robin? On va commencer par la petite entrée. Allez, ça, ça a l'air très joli. Donc en fait, regarde, le tuto, prends un nachos avec un peu de fromage et après tu le trempes où tu veux. Où je veux. Dans la viande. Oh, t'es bien épicé, j'aime bien. Robin, toi tu y allais léger, moi regarde, je prends les deux. Waka et la viande. Mais regardez, regardez le bœuf, comment il a l'air trop bon. Il est vraiment bon? Oui. C'est une tuerie, ça pique légèrement, mais pile ce qu'il faut. Et le bœuf, il est bien assaisonné de ouf. Super bien assaisonné, il est très très bon. Le bœuf du chili, c'est une tuerie. Bon, est-ce qu'on passerait pas aux petits tacos là? Alors, les tacos, on peut les choisir soit en pâte souple, soit en pâte croustillante. Le vrai, c'est la pâte souple. Celui au poulet, on va l'essayer. C'est vrai que ça jute, hein. Faire attention. Franchement, les ingrédients qui sont dedans sont vraiment au top. Je dis pas ça parce qu'on a été bien accueillis, parce qu'ils sont gentils et tout. Mais franchement, je trouve que tout est super bien assaisonné. On a pris de la sauce salsa roja, c'est ça? Oui. Elle tue, c'est la moyennement piquante. C'est génial, parce que pour ceux qui ont du mal à manger piquant, bah, du coup, ça vous donne quand même l'impression de manger piquant, sauf que ça, sans que ça vous arrache. C'est super bon, ça apporte vraiment du goût. Voilà les amis, je vais attaquer la salade que j'ai choisie parce que c'est une tortilla qui sert d'assiette en fait. Donc tu peux manger l'assiette. C'est génial ça, Robin. Ouais, voilà. C'est trop cool. Donc je sais pas, sachant que le truc, moi franchement, tu sais ce que j'ai envie de faire? Croquer. Et comment, toi aussi? Oui. En fait, ouais, tu te dis, c'est génial, tu peux manger. Parce que là, il y a une fourchette, voilà, donc ouais, tu peux, en fait, fourchette, tu peux manger, voilà, tu peux manger comme dans une assiette. Donc oui, bien sûr, je peux faire le test, voilà. Hein. Au fur et à mesure, tu me découpes un peu le truc, mais moi, ce que j'ai envie de faire, je vais le faire. Hein. Alors, le truc dangereux, c'est qu'il y a de la sauce dedans, donc ça se trouve, quand je vais croquer, tout va fuir. D'ailleurs, ça commence un petit peu. Ah. Voilà, ce que je veux faire, c'est aller par là, tu vois. Où là, j'ai du poulet, du fromage, du poivron et tout. Et. C'est bien croquant. Par contre, comme prévu, ça coule. Hein. C'est bon. La tortilla est exceptionnelle. C'est-à-dire que même si vous la mangez normalement, faites comme ça, hein. Vous êtes quelqu'un de civilisé, pas comme moi. Vous prenez, hop là, un peu de poulet, un petit peu machin, un peu de salade. Et vous cassez un petit morceau. C'est le kiff de manger la salade comme ça. Oh, j'adore. Oh. Et là, c'est le drame. Fais tourner, Sista. Fais tourner. Ça, c'est du bon, ça. Ouais. Du bon burrito. Ah ouais, là, ça risque rien. Moi, j'ai pris poulet. Et toi, t'as pris... Toi, t'as le grand, le maxi. Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai pris Et moi, j'ai pris le normal. Le mien, il est bien chargé. Hein. Ouais. Ah, et ça, c'est le mini. Ah ouais, on a toute la famille. Ah, oh, c'est trop mignon. Et là, du coup, bœuf barbacoa, c'est ça, là-dedans? C'est ça. Alors, c'est comment? Vraiment pas mal, hein. Le bœuf barbacoa, c'est un effiloché de bœuf, en fait. Donc, mariné aussi. Super bon. Le chili, la diff, c'est que c'est un égrené de bœuf, concassé de tomates, sauce piquante, c'est du chili. Il est très très bon. Donc le mien est plus gros parce que j'ai choisi le format large. Regardez ça. Voilà, bon, on y va. Moi c'est au poulet parce que Marvin il m'a dit que c'est son préféré. Ça tue. Le burrito, c'est vraiment un repas complet. Parce que dedans, du coup, il y a du riz ou pas? Ouais, il y a du riz. Hein. Riz, guacamole, poulet, poivron dans celui-là. Là on voit bien. Franchement, il est vraiment réussi. Hein. Bon, bah du coup, on a bien mangé, on continue de se balancer. Ça tient encore? Elle commence à grincer ta balançoire, j'ai l'impression. Non, mais oui, là, je crois que j'ai pris un peu trop de poids. Bah j'ai oui trop mangé, je pense. Ça fait très flipper ces balançoires quand t'as trop mangé. En tout cas, c'était cool. La Fresh Burrito, c'était on est au nouveau de la gare Saint-Lazare, donc qui à terme sera ouvert jusqu'à 4h du matin. Pour l'instant, c'est 2h. Merci, Robin. Merci à toi, Florian. Et là, on avait tourné le final avec Robin, mais il y a Marvin qui a dit qu'il voulait dire Florian Honneur à la fin. Alors viens, viens, Marvin. On le fait comme d'habitude. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honneur. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honneur. Voilà. On aime regarder Florian Honneur. Ok. Florian, alors tu dis quoi, Florian?